après s'être préparé, on va aller manger l'ox d'ortie. Allez, zou. Une continuation. Merci. Plein de bonnes choses pour cette route. Ouais, on espère. Hein, plein de souvenirs et puis ouais, jusqu'au bout. Ouais. On lâche rien. Et ouais. Si on peut, si on revient, on vous fait signe en tout cas. Bah, ça, ouais, c'est... Impeccable. Bah, bonne route. Bah, merci en tout cas. Bonne route au moins jusqu'à. Il fait la bise quand même. Ah, ouais. Salut. Vas-y. Bon, puis bah bonne matinée en tout cas. Merci bon. Encore. Bah, au à la prochaine. À la prochaine. Bah, bonne continuation. Merci. Un petit message, voilà. Ouais, ça me fait plaisir, ouais, de temps en temps. Bon, on y pensera largement. Ouais, ouais. En tout cas, c'est noté dans mon petit carnet de voyage. Donc. Bah, merci beaucoup, en tout cas. Ouais, voilà. Bon, je te fais la bise aussi. Voilà. Salut. Allez. Bah, allez, à la prochaine. Bien, hein. Merci. Merci. En fait, on a oublié de faire caca du coup chez notre hôte. En fait, on s'est dit, bah en fait, on a le boulanger ici. On va essayer du coup de demander si on peut aller, enfin si on peut accéder aux toilettes justement du fournil. Viens pas pour une baguette, hein. Bonjour, alors le petit devant est spécifique parce que du coup, nous sommes deux autostoppeurs et en fait, on est à la recherche de toilettes vraiment juste pour faire pipi, ce serait juste pour. Ouais. Ouais, ouais, des toilettes, et je sais pas si on peut vous emprunter les vôtres ou alors s'il y en a qui sont juste à côté. Parce qu'en fait, on doit partir pas pour Rouen. Je sais pas si c'est possible. Et bah, c'est un échec. En fait, on pouvait pas. Enfin, moi personnellement, je pouvais pas faire caca. Du coup, chez nos merveilleux habitants, non, je voulais pas qu'ils entendent mon plouf quoi. C'est... Désolé, hein. Je vous adore, hein. Wilfried et Dorothée, bon, mais, okay. mais le caca, je pouvais pas. Bonjour. Bonjour. Excusez-nous de vous déranger à une heure pas du tout tard. En fait, on est deux autostoppeurs justement. Ouais. Et en fait, on veut partir à Rouen, sauf qu'en fait, il nous manque juste des toilettes en fait, juste pour. Vous avez envie d'aller aux toilettes? Ouais, ouais. Alors allez-y. Alors. Ah oui. Alors lui. Lui, il veut pas qu'on aille aux toilettes, je crois. On vient de faire caca, c'était incroyable, c'est un moment magique, justement, ouais, on a chié. Donc là, on va se mettre au niveau de la bretelle du pont de Calix, comme ça que ça s'appelle. On va essayer du coup de trouver une prochaine voiture et ensuite on s'en ira pour. Rouen. Rouen. On est parti, on lève les mains, ouais. Prochain endroit du coup, Rouen, justement, où on essaie de trouver des gens. Il y a des bouchons, il y a tout ce qu'on veut. Vas-y, on fait, ouais. Non, on fait les. On vous redit en tout cas dans une prochaine voiture, du moins on espère, s'il vous plaît, peut-être. Oh l'ignorance, ça fait mal dans la gueule. Ok, toi tu seras au chômage, toi tu fumes, c'est pas bien. On vient peut-être de trouver une voiture. Bonjour, bonjour. Pas loin de Rouen quoi, je peux vous laisser, je sais pas, une sortie. Je vais pas dans Rouen même quoi. Ok, bah en vrai ça peut, ça, ouais, ça ouais, peut clairement nous avancer. Yes. Et bien du coup, maintenant nous sommes sur l'aire d'autoroute Avia qui est. Comment elle est, comment l'aire d'autoroute est de... Du coup, on va être sur l'autoroute tout là-bas. Alors on voit pas. Et c'est Mélanie du coup qui a pu venir nous voir. Et donc... bonne route. Voilà, c'était super intéressant. Maintenant on file pour Amiens justement. On quitte Rouen. Non, on s'en fout. On quitte Rouen pour aller à Amiens. On espère trouver. Ouais, c'était super cool. Ouais. Ça passe trop vite à chaque fois les trajets, je trouve. Tu sais, t'as envie que ça dure, t'as envie d'apprendre à connaître. Ah, complètement. Moi j'avais envie de la suivre en Alsace. Hein, ah ouais, non, mais grave. Bon, bah maintenant il y a juste à se dire que. Enfin, allez là, je... Oh, attends, merde. Oh, j'ai trop peur. Quoi? C'est quoi que le panneau? Je sens que t'as pris qu'un des deux. Non, non, non. Faut que je m'en remette de cette émotion. Voilà, on se retrouve sur le 2 stop. Merde. Voilà du coup notre prochain le 2 stop. C'est-à-dire, alors c'est le pire en lieu qu'on puisse trouver. C'est au-dessus d'une glissière. Allez, oui. Oh. Peut-être que quelqu'un est visible. Enfin, il s'arrête.
enfin s'il s'arrête, c'est chaud. Ça peut être dangereux, donc en fait, il va falloir aller très vite si on trouve quelqu'un. Genre on met nos affaires, on perd pas de temps, on s'en bat les couilles. Allez, non, et à tout à fait. Merde. Il te plaît. Je suis au chômage. Merde. Oh non. Trop belle. Elle est trop belle. Mes frères. Elle est dégueulasse. Allez. Allez. Non. Tire. Allez, go, 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 go. Allez, 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 allez. Vite, 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 vite. Putain, c'est... Oh. Fais gaffe, attends, t'as le crevasse ici, pile ici. Ouh. Allez, go. Ok, nickel, on y est arrivé. Du coup, on vous explique le plan. On essaie de monter au niveau de l'autoroute au fond, c'est super dangereux. Mais on n'a pas le choix pour trouver quelqu'un. En fait, les gens ne peuvent pas s'arrêter là. Oh, génial, où on est. Donc, on fait quoi là du coup? On remonte. On monte. Et aussi, on espère trouver quelqu'un parce que là, c'est chaud. Là, c'est vraiment très compliqué. Tu peux le faire. Nickel. On vient de monter du coup. Au niveau de la palissade, on sait pas comment on va faire. On n'en a aucune idée. Faut qu'on y aille. Putain la vache, ça va être chaud. Je sais pas comment on va faire. Je n'en sais strictement rien. Donc il y a tout ça encore à monter. On sait même pas si les gens en fait ils vont pouvoir s'arrêter. On est sur un virage assez compliqué. Hein. On sait pas pourquoi on est là. On ne sait pas, mais tout ce qu'on veut c'est y arriver. Eh bien je crois au final qu'on a bien fait d'aller d'être monté parce que à notre grande surprise, nous avons péage à 400 mètres. On a chaud, je pense. On a chaud au cul, mais on va y aller, on va aller à ce putain de péage. Ouais, on va se faire défoncer. C'est pas grave. Bon, du coup, je filme, c'est tout. C'est la première fois que ça m'arrive, c'est pas grave. Bonjour. En fait on essaie juste du coup d'atteindre le péage en fait. C'est pour ça du coup qu'on est là. Il y a une dame du coup en stop en fait qui nous a déposé au niveau de l'aire de service. Sauf qu'en fait nous notre objectif c'est Amiens. C'est pour ça qu'on s'est dit est-ce qu'on peut passer par là. Bah en fait on veut juste aller au niveau du péage, juste pour se poser pour pouvoir mettre nos panneaux. C'est juste ça. Ben je sais bien, mais en fait on n'a pas d'autre solution. Je sais pas. Vous pouvez nous déposer juste avec votre petit camion, juste au péage. Vous nous sauverez la vie. Oui, de front. Oui, tout. Yeah. C'est incroyable ce qui se passe. Voilà, donc on monte dans un camion d'autoroute. Et ben allez, c'est parti. Du coup l'autoroute. J'arrive pas à y croire. Bon maintenant on a été déposé du coup sur le parking du péage. Exactement ici avec notre chef collègue. Hop là. On va pas à Amiens. On va où du coup? Ouais. À Bruxelles. Ça veut dire les amis qu'on a fait Rennes-Bruxelles en deux jours. On est passé par tellement d'émotions en trop peu de temps et puis... Donc bah je vais vous filmer tout simplement ce voyage et du coup on va aller plus loin que Bruxelles. Sache-le, on va aller plus loin que Bruxelles. Allez, bisous. Alors là, on est sur une aire d'autoroute et nous allons manger. Car il a faim. Et moi aussi. Ouais. Et tout le monde a faim. Il fait froid aussi ici, on n'a pas précisé, mais il fait froid. Alors Léo de France, si vous voyez ce message, il fait froid. Il n'y a pas de frites. Du coup, après avoir mangé, on repart sur le chemin de Bruxelles. Nous sommes exactement ici. On va monter pour aller à Bruxelles. En fait avec Clem on n'arrive toujours pas à y croire. On se dit mais c'est n'importe quoi. C'est du grand délire, c'est...
J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Je ne comprends pas. Bon allez, je vous fais visiter un peu la route. Et puis après, c'est Bruxelles. Tu as été juste incroyable. Ouais, franchement, c'est ouais, c'est le miracle. C'était juste inouï. Ouais, ouais, clairement. Tu nous as sauvé la mise. Ouais, donc, merci. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Salut. Oh, qu'est-ce qu'on voit là? J'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Même quand tu vois ça. Vraiment, ça reste là, tu sais. Lavender. Je comprends rien. Et ben, du coup, on est reparti. Ouais, voilà. On est reparti du coup pour pouvoir faire du stop. Alors, un stop de merde. On vient de faire quoi? 600 bornes, peut-être. Et là, on va faire un stop pour 8 km. Et puis, on va essayer d'aller au centre. Et en fait, après, on va essayer de trouver un logement. On a 2 heures pour trouver un logement. On espère que ça va passer. On va faire du stop. Allez, let's go. Zou. On lève les bras toujours. Ouais. Bon, on est reparti. Allez, pour refaire les stops. Allez, on perd pas. Pour la troisième fois. Première en Belgique. La toute première voiture. Peut-être. Non. Non. Des gens qui ignorent. Ils ignorent tous. S'il te plaît, non. Non. Oh putain, mais non. Non, non plus. Ok. Mais oui. Peut-être toi. Il a accéléré. S'il te plaît. Dis pas qu'on va galérer aux portes. Aux portes de Bruxelles. Non. Oui, oui, mais c'est incroyable, mais c'est trop bien, mais c'est, voilà, bah c'est elle est revenue pour nous, vous vous rendez compte ou pas de ça? Salut. Oui, tu parles. Oui. Oui, on parle français, bah en fait, on vient de France, justement. Ah, ok, vous venez de France, ouais, oui. Vous voulez aller à Bruxelles, c'est ça? Bah en fait, du coup, on essaie d'aller à Bruxelles, en fait, pour un poil visiter, et aussi après, pour pouvoir trouver un logement, en fait, parce qu'en fait, comment te dire qu'on est dans l'aventure totale, en fait. Et là, on vient d'arriver à Bruxelles il y a une demi-heure, ouais, à peu près. C'est juste pour un soirée. Ouais, c'est juste pour une ouais, nuit. Vous venez chez moi. Ok. On boit un petit café. Ok. et puis, vous pouvez aller faire ce que tu veux. Là, vous venez chez moi. Mais okay. Demain, matin, je dois partir à 9h. C'est pas, alors, c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Alors, vraiment, ce serait. Ah ouais. Mais il n'y a aucun problème. En tout cas, je vous fais confiance. Oui, bah nous aussi on te fait confiance en tout cas. Nous on marche là-dessus, on marche sur la confiance et tout. Incroyable. On a tout trouvé, fou. Voilà. C'est foufou, c'est zanzan. Moi je. Ouais, genre, c'est la chance. C'est mieux que Toy Story, ouais. Tout ce qui nous arrive, ouais. Clairement. Ouais, 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 ouais. Ok, bah. Oh non, il aime pas les Français, genre. Le garage est très sympa. Mon grand-père qui a tout fait les garages manuels dans les années 50. Ah ouais, yes. Clem là, on va manger des frites. Ouais, on va manger des frites en Belgique. On a beaucoup d'appréhension. Moi je stresse, clairement. Ouais, moi aussi, ouais, là, ouais. Ouais, ça va être incroyable de manger, ouais, des frites. Ouais. Non. 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 On voulait un petit manger. Non. Les mères, apparemment, les meilleures frites. Parce qu'en fait, ils savaient qu'on était là. C'est ça, ils ont fermé exprès. Ah non. En France, on dit 99. 99. Allez, 90 quand même. Ouais, c'est ça. 90. 90. Alors que vous, c'est 90. Ouais, c'est ça. Ouais, je l'ai. 90 et 70. C'est pas pratique. Est-ce qu'il y a 6 tentes, 14 tentes, genre. Mais du coup. Là, ça tourne. Une fois, j'ai.
taille de ma main et la marque S. We'll be right back.